Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 7 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, l'affirmation positive pour cette journée, je m'autorise à dire non aux autres et oui à moi. Je m'autorise à dire non aux autres et oui à moi. Je m'autorise à dire non aux autres et oui à moi. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé amour. Alors, le pardon, cette semaine, le pardon, le bonheur, le pardon, l'amour. Oh, c'est une belle semaine, n'est-ce pas? Alors, l'amour, le bonheur, l'affection, n'est-ce pas? La joie, le plaisir, c'est la tendresse aussi, la rencontre, s'aimer soi-même, c'est aussi l'estime de soi, le bonheur. Hein? L'amour, je m'aime et je m'accepte totalement. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, l'amour est présent dans votre vie et a beaucoup d'importance pour vous, comme pour nous, pour chacun de nous. L'amour est important dans notre vie. Eh bien, aujourd'hui, aimez-vous tout simplement. Aimez-vous tel que vous êtes. Tout simplement. L'amour est la plus haute des vibrations, n'est-ce pas? Avec l'amour, on peut tout. La plus belle des émotions. Celle, eh bien, qui va vous permettre d'être aligné sur votre moi supérieur et d'être heureux. Alors, plus vos vibrations sont élevées, plus vous attirez rapidement ce que vous voulez. Regardez tout ce qui vous entoure avec amour, avec votre petit cœur et voyez la beauté de la vie dans chaque chose, dans chaque situation, dans chaque mot, dans chaque geste. L'amour de vous-même vous permet d'avoir une bonne estime de vous et d'avoir confiance en vous. Alors, il est important, très important de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, de vous respecter et de reconnaître votre valeur. Si vous vous aimez vous-même, alors il n'y a pas de problème, vous aimerez les autres. Et les autres, eh bien, ils vous aimeront aussi. Comme un miroir qui reflète, n'est-ce pas, ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvrez votre petit cœur, aimez-vous et aimez les autres comme vous voudriez, eh bien, être aimé. Voyez l'être divin qui est en chaque personne que vous rencontrez. Il est important de s'aimer. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Donc, si vous ne vous aimez pas, faites ce travail. Il faut que vous parveniez à vous aimer. Alors, aujourd'hui, décidez d'ouvrir votre petit cœur et de donner et recevoir de l'amour. Vous y avez droit. Vous y avez droit et vous le méritez. Alors, quelques affirmations pour aujourd'hui. J'aime et je suis aimée. J'aime qui je suis et ce que je fais. Je suis une personne unique et pleine d'amour. Je suis une personne aimante. Chaque jour,
Eh bien, je donne et je reçois de l'amour. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Alors, plus j'aime, plus cet amour m'est renvoyé. Je terminerai par aujourd'hui. Eh bien, je choisis de voir l'amour. L'amour rassemble, n'est-ce pas? Aimez-vous. Quel beau message. L'amour inconditionnel. Alors je termine, n'est-ce pas? Ne plus se mettre en colère. Et aujourd'hui, j'ai pigé. Je remplace la colère par l'affirmation claire de mon désir. La colère nous sert parfois d'excuse inconsciente pour céder sans trop perdre la face à nos propres yeux. Il faut donc d'abord cerner l'importance et la validité de son désir et puis l'affirmer clairement. Je remplace la colère par l'affirmation claire de mon désir. Voilà le message « Ne plus se mettre en colère ». Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.